On se retrouve en plein milieu d'une rencontre, je crois bien, je ne sais pas ce que je fais là, c'est pas grave. Va marquer, collègue. Et c'est le but, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League. En attendant, le jeu qui va remplacer Evoland 2, je vais faire du Rocket League, hein, comme ça a remplacé GTA, et ben ça va remplacer Evoland le temps que je trouve. Du coup, on se retrouve en plein milieu d'un match, en pas compétitif, hein, en mode classique, pour essayer de botter des derches. C'est but ça. Oh, mais oui, c'est but, je suis là moi, mais oui, regarde, j'ai déjà autant de points que mon collègue qui est là depuis une minute de plus que moi, c'est énorme. Boum. Et ouf. Et voilà. Et c'est personne qui a marqué en fait. Il était là, il est plus là. Et oui, petit retournement de situation, du coup en 15 secondes. On va le gagner, on va essayer de gagner. Comment on dit c'était prévu? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit c'était prévu. Mais en tout cas, je le pense. J'ai failli marquer dans ma cage, hein, mais violemment. Violemment. Bien sûr, ce n'était pas mon envie première, hein, vous vous en doutez, mais bon. On est un peu un boulet, donc... Alors ouais, prends le boost, mais utilise-le un moment, tu vois. Ouais, tu m'as saoulé, hop. On lève un peu la balle, on attaque, la balle est levée, on saute, et on a fait une passe D de qualité, mon ami, je crois. Attends, fais voir. Le petit jump. C'était pas du talent, ça. La petite passe en la retournée acrobatique, j'ai aimé, que j'ai aimé. Ah, c'était beau, quand même. Dites-le que c'était beau. Pouce bleu, rien que pour cette passe décisive, quoi, merde. Un peu de respect. C'était bien tenté. C'était bien raté aussi, mais c'était bien tenté. Prends votre boost, mon ami. Petite attaque. Eh ben non. Ah, j'ai sauté trop tôt. Ah, le débile. Je suis un débile. Oh là. Ouh, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. Boum. Voilà. On passe sur le côté. Et on se rate encore une fois. C'est pas grave. Mais j'ai refait la même connerie. Hein. Faut que j'arrête de faire ça. Putain, je fais des loopings dans la cage. Moi, je plus aucune notion de défense ni rien. Ah, c'était pas loin. Toi, tu rentres chez toi. C'était vraiment pas loin. Voilà, mais oui. On va lui dire beau tir, parce que c'était quand même mignon ce qu'il a fait. Il a mené l'action tout seul, regardez, lui, il l'a dribblé. Il a dribblé lui en poussant sur le mur et il marque le but. Bien joué. Bravo, I'm Scream. Non pas Ice Cream, hein, attention. C'est différent. Ice Cream, c'est de la glace, hein. Ah ouais, qu'on soit d'accord, Ice Cream, c'est de la glace. Que Ice Cream, c'est pas de la... Putain, il m'a gêné. Tu m'as gêné. Espèce de cornet de glace, là. Oh là là. J'allais défendre, j'étais bien parti. Là, regardez, je partais. Et là, boum. Il m'aurait pas interrompu, on était bon. On arrêtait cette balle, on faisait l'arrêt de l'année. Tu l'as, monsieur, tu l'as. Ah oui, tu l'as, je te le dis. Ah, je te le... C'est chaud. Je sais pas ce que... Ouh là là, où ça pue. Non, ça va. Ça va le faire. On a un peu des merguez en face, comme on dit dans le jargon. Bien joué, mon ami. J'arrête de dire mon ami, ça fait déjà 3 fois dans la vidéo. Ah, j'ai raté la balle. Alors ouais, bien... Waouh, les lags de connexion. J'ai fait un arrêt, je sais pas comment. Ma voiture se téléporte toute seule. Regardez ça. Ah mais c'est horrible.
Pourtant, je n'ai que 42 ping, hein. J'ai pas 390 par exemple. But ou pas loin. Voilà, on va la dégager cette balle. Et on va partir très loin avec. Voilà qui cache par exemple. C'était bien tenté. Voilà, hein. On va faire un petit arrêt pour commencer. Hop, petite passe décisive et mon copain, tu vas la reprendre. Ah bah non. Ah, il m'a embarqué le boost avec. On va faire ça. Il y a la moitié des gens dans la cage. Allez, va la marquer là, t'es bien parti. Et boum. Talentueux. Talentueux ce mec. Franchement, il est là, il est hal, il est présent, il marque. Oh là là. Oh mais quel homme. Oh mais quel homme, bordel. Non, bien joué. Bien joué, I'm Scream. Et celle-là, vous l'avez vue, celle-là? Voilà, mais Ice Cream il a dit non, il a dit je vais le mettre moi le but. Il a bien fait, tu vois. Ah là, il s'est dit faut que j'y aille, c'est pas rentré et brrr. On a conduit nous toute l'action, mais quand même, Ice Cream était là pour finir. Quel finisseur, 5 buts déjà. Moi j'ai fait un petit arrêt, c'était cool. Et j'ai plus de la moitié de ces points quand même, alors que j'ai 8 4 fois moins de buts. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même bien tenu le match. C'est plutôt sympa. Et bien entendu, c'est une victoire pour Halloween. On a gagné une fusil brute, je sais pas ce que c'est. Même. Ah non, je ne sauvegarde pas, ce ralenti, il est un peu nul. Ah mais j'ai déjà fait prêt. Putain, je suis débile, moi j'étais en train de chercher, je me suis dit oulala. Oulala, comment on fait? Non, mais oui, pas de soucis. M-Scream, tu as le droit de valider, par contre. Hein. Je ne veux pas te forcer, je ne veux pas te brusquer, je ne veux pas t'embêter. Mais tu peux quand même valider le début, enfin, ta participation au match suivant, parce que t'es un peu chiant. Tous les épisodes, il y a un gars qui n'appuie pas sur le bouton prêt. Est-ce une fatalité? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est chiant, ça c'est sûr. C'est quelque chose de... Ah bah voilà! Mais voilà, M-Scream! Quand on te demande. Ah là là! Bande de quiche! Allez à moi, cette ballon qui s'en façon. C'est du Georges Brassens, oui. Rocket League existait déjà à son époque. Ah, je suis contre Ice Cream, ça va être compliqué là. J'ai joué avec Papa Willy ou Dead Mercy 2? Avec Dead Mercy 2. 25. Pourquoi j'ai pas lu le 5? Je ne sais pas, en attendant, ça va être un match épique, puisque le quadruple buteur du match d'avant nous affronte de manière singulière. Et moi je lag. Et pourquoi il y a un petit bonhomme vert à côté de son nom? C'est-à-dire que je l'ai en ami? Eh, peut-être, hein. Peut-être. Et c'est le but du Canardy Show. 1 à 0 en ce début de rencontre, 14 secondes de jeu seulement. Et déjà un but, oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Allez, on va se concentrer. Eh oui, M-Scream qui joue avec un bot. Hein. Papa Willy, il est parti. Papa Willy, il est parti. Papa, oui. C'était une frappe. Mon dieu, mais c'était quoi cette chiche qu'il a mis? Et Ice Cream a quitté le match. On joue contre deux bots, du coup, c'est sympa. Brrr. Magnifique. On va continuer. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah c'est la victoire. Ah bah on avait besoin... Hein? Avait-on besoin de ça pour gagner? Je ne sais pas. En tout cas, on était... Plutôt est bien parti. Bah on va voter pour une revanche, non, parce qu'on va pas faire une revanche contre des bots. En attendant, Dead Mercy 25, tu as le droit d'appuyer sur le bouton prêt. Bravo. Tu as seulement mis 13 secondes pour le faire.
Je célèbre. Je déteste cette map. Oui, vous le savez, je ne l'aime pas. La Neo Tokyo, je sais pas quoi, là. Il y avait une grosse bouboule comme ça, ici. Je m'en rappelle plus. Ouais, je sais pas. Il n'y avait pas de tribune, en plus. Genre, c'est un stadium au milieu de la ville, tu vois. Comme tu peux avoir un stade de foot au milieu des villes, mais... Enfin bon. J'adore ma voiture. Je l'ai un peu décorée depuis la dernière fois. Je sais pas si... Non, j'avais pas refait de vidéo avec celle-là. C'est un... What? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un nouveau design! Boum. Et boum, petit demi-tour. Ah non, j'ai raté la balle. Ça, c'est pas... Bon signe. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, pour tout vous dire, là. J'ai pas bien compris. Elle est pas rentrée, là? Oh là là. On n'a pas assez piqué notre trajectoire. Non, 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 non! J'ai fait du caca. En plus, hé. Hey. Denis Pépette 156, le mec s'appelle comme moi quand même. Hein. C'est mon prénom, ça, bordel. N'a pas le droit de marquer un but contre ton créateur. Pardon. Peut-être que je m'éloigne un peu des réalités de ce monde et de ce jeu. En attendant, on perd 1-0. Et c'est un peu relou. J'ai raté la balle encore. Je lag tellement sur cette map en même temps. Vous allez me dire c'est l'excuse de la map. Eh bien non. Ce n'est pas l'excuse de la map. C'est je suis vraiment une quiche. Voilà, c'est tout. Mais ça lag quand même. Hein. Faut préciser que j'ai un peu du mal. Même si ça me dit que je tourne à 30 FPS. Hein. Mais bon. Je ne crois jamais frappe. Non, c'est le meilleur indicateur, je pense, de FPS. Fraps est un génie du FPS. Par contre, pas un génie de la taille des fichiers vidéo, hein, parce qu'à chaque fois que je vous enregistre une vidéo, il faut savoir que celle-ci pèse environ 60 gigaoctets. Hein. Tous mes problèmes de disque, la plupart du temps, bon, je fais jamais gaffe. Il faut quand même que je prévoie à chaque fois que je fais une vidéo à peu près 50-60 gigaoctets de mémoire. Donc, c'est un peu lourd et purée, on aurait pu là. Là franchement on aurait pu, il y a quand même de l'espace. Il y a quand même des possibilités, il y a des failles dans cette équipe, dans ce binôme insolite. Voilà, bon c'était un peu bizarre comme dégagement, mais bon il est passé. Hein. Et on a personne dans notre cage et c'est le 3-0. Pépette qui a marqué, c'est son triplé. Tous les mecs qui s'appellent comme moi sont décidément de très très bons joueurs. Voilà. C'était le moment raclerie. On va essayer de se concentrer, de bien finir le match. Je joue avec un. Avec un bot, oui. Le mec est parti du coup, il arrache kit. Je m'en fous, moi. Moi je reste jusqu'au bout. Moi je suis comme ça. Bon, le bot par contre a intérêt à assurer. Ah, ça commence mal le bot. Eh oui, le bot. Tu es nul, le bot. Tu me bot. Boum de bat, bat, boum de bat, bon bref. Allez, concentration. But. Et c'est 4-0. Bien joué. La fin du match va être longue, on n'est même pas à la moitié, donc voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un mec plutôt pas mauvais qui me rejoigne. Parce que le bot, il n'est pas meilleur que moi. Hein. Okay. Oh non, ça aurait pu, ça aurait tellement pu, bordel. Qu'est-ce que c'était que ça, le bot, Armstrong? T'as rien de strong du tout, toi, bordel. Ouais, bah je m'amuse, bon, du coup j'essaie de faire des figures et tout, hein, à 5-0, voilà quoi. J'ai pas envie de déclarer. Bah, comment on peut pas déclarer forfait? On peut pas déclarer. On peut quitter le match, mais je n'ai pas envie. Le bot, tu fonces.
comme jamais tu n'as foncé dans ta vie. Eh, pas mal, hein. Et c'était un tir cadré, oui, oui, oui. On n'a pas passé les 100 points encore, donc c'est qu'on... On fait vraiment un match catastrophique. Là, on a passé les 100 points. On a limite doublé notre score en l'espace d'un arrêt, donc bon. Frappe cadré... Eh oh! D'où tu fais un arrêt sans que j'ai fait de frappe cadré? Moi, c'est une frappe cadré, ça! Bah oui! Armstrong! Bravo! Je t'aime, Armstrong! Tu sais pas ce que t'as fait, mais... Oh là là, c'était chaotique, bordel, mais il a marqué. Magma 2004-3-2. Je suis désolé de te recevoir avec un score aussi médiocre. On va dire que c'était pas très, très facile comme match. Et là, on est parti. Hein. Moi, comment il s'appelle, Machin m'a motivé, Armstrong m'a motivé. Bon, il est parti vers un autre monde, parce que tu as pris sa place. Mais voilà. On est bien, on est motivé. Du coup, je ne vous ai pas parlé du futur jeu qu'il y aurait sur la chaîne. Je ne l'ai pas trouvé, ce ne sera pas Dev-Tycoon, Game Dev-Tycoon, pardon. J'ai changé d'avis, il me plaît un peu moins depuis qu'ils ont sorti la nouvelle version, à savoir Tycoon. Comment c'est Game Dev 2, là où je sais pas quoi. Je suis un peu moins enclin à le faire, sachant que la nouvelle version est nulle. Et que la première est pas. Bah, elle a vieilli, quoi. Tout le monde l'a déjà fait, hein, donc voilà. Et en plus de ça... qu'est-ce que je veux dire? Je me dis que j'aurais peut-être du mal à le faire en let's play, je sais pas. Peut-être pas du mal à le faire, mais je sais pas. Je le sens moyen, du coup, je vais vous trouver un autre jeu, un peu plus dans le style Devolante 2, hein, sûrement. Un peu l'aventure et tout. Faut que ce soit un jeu qui tourne sur mon PC aussi, mon PC actuel, en tout cas. Et pas forcément ultra long pour la simple et bonne raison que toi tu l'as mise à côté et je ne sais pas ce que t'as fait en fait. Je sais pas comment t'as pu la foutre complètement à côté. Mais c'est son cinquième but à cet enfoiré. Mais voilà, pour la simple et bonne raison que... qu'est-ce que je disais là, je ne sais plus. Oui, un jeu ballon. Un jeu ballon pour la simple et bonne raison. Que si je change d'ordi, je pourrais faire des jeux beaucoup plus badass et ce sera l'occasion du coup. Donc on va essayer de faire en sorte que ça dure pas à peu près 4 ans, hein, ou 4 mois. Après bon, on va faire un jeu de... Enfin quoi que non, 4 mois tu me diras, ça fait 16 semaines, ça fait 32 épisodes, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, un truc qui se finisse assez rapidement et qui soit quand même... C'est sympa, je savais qu'il allait faire ça cette fois. Je le savais. En plus je lag. Ils vont le marquer le dernier 8-2. Et oui. Voilà, fin du match. Défaite 8-2, ça pique. Quand même 420 points. Hein. Genre c'est pas non plus ridicule, hein. Mais bon. On a mal joué. Ça c'est sûr. On a très très mal joué. On va se faire un dernier petit match, un match de la victoire, un match du répit, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on s'est pris dans la tronche, là. Allez, on est parti. Moi, je vote pour la revanche. Et bon, on est parti. On va se taper Denis Pépette, là. Et il va jouer avec moi, du coup, il n'y a pas de... J'ai pas d'allié. Denis contre... Enfin, Denis... Denis et Denis versus d'autres gens. Versus the world. Voilà, l'équipe bleue au calme. Et en face, ce sera Crozen1986, tu es vieux monsieur, tu as 30 ans. Et Pray Silence. Ok. Silence. Silence, avec l'accent. Silence. Bref, je vais faire un peu de silence justement et on va démarrer ce match. Tu ne bouges plus, Denis Pépette. Et je commence par une frappe aérienne de grande qualité. Ça, c'était... Non, je sais plus qui est la caméra du ballon, qui ne l'est pas. Bonbon des chamboulés.
Tennis Pépette, à toi de jouer. Avec ton fantôme sur le toit de ta voiture là. Hop là, on défend comme ça. Et on attaque comme ça. Et tu ne rattraperas pas. Bleh. Le canard, il ouvre le score. Bref. Ouais, je m'enchaîne tout seul, c'est pas grave. Et il y a déjà eu un rage kit en face. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Aujourd'hui, il n'y aura sûrement pas de retournement de situation comme on a pu le faire dans les deux derniers épisodes, globalement. Je crois que c'était les deux derniers. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on est parti pour leur rouler dessus. De manière absolument... J'ai raté la balle. Scandaleuse! Bien joué, Denis Pépette, quelle défense! Petit amorti, ouh, le centre, ah, le contrôle, je ne sais plus ce qui se passe. Compliqué quand même. Ouh, ce qu'il lui a mis, bordel, beau tir à toi. Oh, il a pas l'air très bavard, lui. C'est con dans un let's play, monsieur, hein, que tu sois pas assez bavard. Je suis en défense. Eh bien non. Très bon choix défensif, Denis Pépette. Et moi, ça me compte même pas ça comme un arrêt, je suis dégoûté. Bon, après, il était pas bien compliqué non plus, hein, mais... Hop là! Et ça, c'est pas un beau... Il me l'a enlevé, cet enfoiré! Ça, c'était une attaque, ça. Une attaque de folie, bordel. Arrête de m'enlever mes buts! Pardon. C'est la colère qui a parlé sur ce but. Voilà. Hein, clairement, c'était la colère, regardez. Bleh. Propre. Propreté absolue. 3-0. Et déjà, oui, 3-0. Ça fait plaisir, des matchs comme ça. Avec un Denis Pépette qui ne bouge absolument pas. Je t'en prie, défends, Denis Pépette. Je sais que tu voulais défendre. Ouh, je t'ai raté. C'est pas grave. 3-1. On va pas non plus se plaindre de trop. Ça passe. 3-1, on est bien, on est bien. On va finir sur 2 victoires, 1 défaite, hein, cet épisode. Moi, j'y tiens. J'y tiens beaucoup. Alors toi, non, tu me casses pas ma voiture, ça coûte cher à réparer, hein, on va se calmer, monsieur. J'ai tenté un saut très lointain, mais on va, vas-y, vas-y, mon gros. Eh ben voilà, dégage là, hein. Moi ça ne me dérange pas. Denis Pépette. Hop là, waouh! J'ai tellement volé au bout du monde. ...3-1 toujours. Ah ouais, d'accord. Vous jouez avec tant de violence comme ceci. J'ai fait de la merde. J'ai clairement fait de la merde. Là.
il était dessus, Pépette, hein. Je suis en défense. Pépette est meilleur en attaque. Et moi, je fais moins de conneries en défense. Voilà, Pépette. Tu l'as fait, Pépette. Tu l'as fait. Eh oui, Pépette. C'est génial comme pseudo, ça, calme. Denis Pépette en 5-6. Je me souviendrai de toi, Pépette. On se recroisera. Alors... Pépette ! Pépette, il a dit non, tu ne passes pas. Pépette a essayé de centrer, mais Pépette a raté son centre. Oh là là ! Voilà. Si ça, c'est pas défensivement magnifique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vas-y, centre, Pépette. Pépette, il a centré. Canard, il a raté, bordel, non ! Comment je rate ça, moi ? Et ça fait 4-3. Je lui ai envoyé un oups quand même, j'avais pas le droit de rater cette occasion en main massif. C'est plutôt simple. Prends-le, je suis en défense. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Alors là, on est à un but de la prolongation, je vais dire de la relégation, de la prolongation. Donc, on ne fait pas les cons. Non ! Non ! Comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On va le marquer. Je m'en fous, on le marque. Il y a toujours une situation stressante dans un épisode, on les a toujours gagnés, ces situations stressantes, bordel. C'est stressant, mais c'est pas du bon côté du terrain. Touche le sol, oui. Prends-le, Pépette. I'm in defense. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, vu le foiré que j'ai fait juste... Il y a seulement 15 secondes. Je suis dans l'axe, bordel. J'ai volé. Pépette, vas-y, Pépette. Pépette, j'ai les pépettes, justement, là. Donc, on va faire ça bien, gros. Vas-y, il a deux vagues à passer. Voilà, bon, il a perdu à la première vague. Lui, il tire derrière. On entend le moteur qui ronronne. Je déteste ces balles-là. Ça, c'est bien. On a fait ça propre. Un peu comme Pierre et Marie Curie, oui. Je te communique ce ballon, Pépette. Je le garde. Je le conserve. Pas du tout. Il me l'a pris, mais alors comme un... C'était marqué servez-vous quoi sur la voiture, hein, clairement. Comment ils ont fait pour la décoller comme ça? Du sol. Ouh. Et c'est un arrêt de Pépette. Et c'est un dégagement de moi. Et ça va mal se finir, bordel. Hop là, c'est dégagé. C'est tiré comme ceci. Oh là là. C'est worst idée ever que j'ai eu. Hop. Alors merci de me faire découvrir le plafond de la map, mais j'en avais pas forcément envie. Hein. Ça c'est plus cool. Vas-y Pépette. Dis-leur Pépette. Voilà, bordel. Mais oui, mais... C'est beaucoup trop facile, voyons. Mais bien sûr que oui. Voilà, il me fait la magnifique passe. Et c'est le but. Pépette et Canard wins, évidemment. J'ai dit qu'on était la meilleure équipe au monde. Ça s'est encore prouvé une fois de plus. Bon, meilleure équipe au monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, on était un binôme de ouf. Et c'est pas nos adversaires qui vont dire le contraire. Et mon jeu commence à laguer tellement que c'était oufissime comme victoire. Du coup... Bah qu'est-ce que se passe-t-il? C'est n'importe quoi cette fin
cette fin de partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, t'es là et abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'hésitez pas non plus à la partager puisque ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde.